Allez, je vous apprends à partir de sa place quand on est side-hocké. Là, le problème, c'est que le vent, il vient de là-bas. C'est-à-dire qu'il vient contre le bateau. Il me pousse le bateau contre le quai. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est une garde avant. La garde avant, c'est quoi? C'est le fait de mettre une amarre à l'avant de mon bateau. Et je vais mettre le moteur en marche avant pour pouvoir décaler l'arrière de mon bateau vers le large. Première chose, j'enlève l'amarre arrière. Numéro 2, je remonte sur le bateau. Bah ouais, parce que si je remonte pas sur le bateau, il va partir sans moi. Ensuite, tout simplement, je mets la marche avant sur mon bateau, je laisse la mare avant et je demande à mon équipière de mettre un pare-batte pour pas que ça tape. Là, vous voyez que mon bateau, il s'est vachement écarté du quai. Je vais pouvoir passer la marche arrière. C'est bon. Et là, je demande à mon équipière de larguer et je mets la barre complètement de l'autre côté. Chose importante, si mon bateau est collé à tribord au quai, si le quai est à tribord et que j'envoie la barre à tribord, ce qui va se passer, c'est que le bateau va se décoller du quai. Si au contraire, je veux me coller au quai, je vais mettre ma barre à bâbord. On récapitule, je laisse la mare avant, je mets ma marche avant, je mets la barre complètement du côté où je veux aller, puis je passe la marche arrière, mon équipier enlève le boot et je peux partir. Si ce tuto vous a plu, vous adorerez notre formation Corail en Voyage qui est 100% en ligne et qui contient plus de 12 heures de vidéos. En ce moment, une super promo, alors on se retrouve sur notre site internet www.voiliercorail.com. A bientôt les copains.